Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la normalité. Puisque dans la vie, il arrive parfois des ruptures, des ruptures amoureuses, des ruptures. Pas de la normalité ou effondrement économique, mais dans ma vie aujourd'hui, il m'arrive quelque chose de personnel où je suis confronté à une rupture de la normalité. Eh bien, on puisse appeler ça comme ça. Puisqu'aujourd'hui, ça serait peut-être plus aller vers la normalité. Donc, pour être tout à fait franc avec vous, aujourd'hui, je suis retour au chômage, puisque je viens de me faire licencier pour un motif honnêtement juste. Et d'un côté, c'est juste que je ne veux plus être un mouton, je veux faire partie des lions et ne plus être soumis à des règles et à une façon de se comporter en société. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans un moule, suivent le troupeau comme du bétail qui va à l'abattoir. Clairement, moi, aujourd'hui, c'est pas ce que je veux. Aujourd'hui, je vais être libre. Je vais être indépendant au maximum. En gros, dans la lettre, ça disait que je refusais de me soumettre aux règles de certaines manières parce que ça ne voulait pas par rapport au fait que pour les pauses, il fallait donc appeler. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui font que j'ai dit merde. Et concrètement, aujourd'hui, ça me prouve juste que. Alors vous allez me dire, ouais, mais. T'as plus de boulot, comment tu vas faire? Justement, le fait de ne plus avoir de boulot, ça va me permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, d'être tout simplement dans une nouvelle situation qui va me permettre un nouveau départ. Je reprends pas mal, au contraire, je prends tout d'une manière simple. Simple. Alors peut-être les gens vont comprendre, et voilà. Mais aujourd'hui, dans tout ce que je fais, je vais aller vers le bonheur, la simplicité, et se poser la question, est-ce que je suis heureux? C'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. La survie, déjà, pour la plupart des gens aujourd'hui, c'est même plus de la vie, on survit. Est-ce qu'on travaille pour vivre ou on vit pour travailler? Les deux ne sont pas tout à fait justes. Pour moi, aujourd'hui, la vie, il faut aller vers l'autonomie, il faut aller vers la simplicité et plus être dans le déni. Et moi, aujourd'hui, honnêtement, c'est qu'un nouveau départ et ça va me permettre de faire des nouvelles choses parce que j'ai envie de faire ces nouvelles choses. Et puis en plus, ça me permettra de faire plus de vidéos, encore plus de vidéos, toujours plus de vidéos. Et tous les chemins faciles ne sont pas forcément les meilleurs. Et ce qui est difficile, c'est justement là où est le challenge et le défi. Si jamais je venais à gagner des sous avec YouTube, ne croyez pas que je vais prendre ces sous-là et m'acheter une maison basse en durable. Les sous que je gagne pour HM, c'est pour HM. Comme je disais à l'époque, dans mon ancien groupe, dans mon premier groupe, je disais du groupe pour le groupe. Bon, l'argent que je gagne avec YouTube ou sur Tipeee, je le mettrai tout simplement dans la chaîne. Que ce soit surtout maintenant pour un ordinateur. Voilà. Là, je vais travailler avec un autre ordinateur pendant quelques temps, qui est déjà plus rapide, parce que le mien est mort. Voilà. Mais bon, voilà. Bref. Donc, voilà, je suis confronté à cette rupture, ça fait un peu bizarre, mais je le prends bien. Et c'est ce qu'il faut faire aussi. Il y a des choses qui sont un petit peu moyens dans la vie, il faut regarder un peu différemment. Donc voilà, je ne vais pas en débattre pendant 20 ans. Vous savez un petit peu, je suis honnête avec vous.
Je reste honnête du début à la fin. J'ai vraiment pas envie d'arrêter la chaîne, j'ai complètement envie d'aller encore plus loin. Et c'est pas parce que je suis actuellement sans travail que je vais arrêter, au contraire, je vais aller encore plus loin. Bien que, juste entre parenthèses, bien que je dis que ça me suis pas mécontent ou quoi que ce soit, c'est juste dans la tête, ça me fait un petit peu game. Je me pose des questions sur comment je vais faire plus tard. Mais voilà. Donc, peut-être qu'il y aura un peu moins de vidéos en 1 ou 2 semaines, sachant que je suis en vacances, prolongées. Les vacances étaient prévues, hein, de toute façon. Mais je vais pas vous abandonner, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Profitez bien de la vie. Profitez bien. Préparez-vous surtout, parce que je crois il faut. Et puis pour les sceptiques, les gens ils disent ouais, je m'intéresse au survivalisme, mais je fais gaffe. En faisant des réserves en eau, en nourriture, pallier une contrée, on va dire, une rupture de salaire, entre guillemets, façon de parler, ça peut servir aussi. Tout bêtement. On peut, entre guillemets, économiser, puisque c'est quand même de l'argent investi avant. Bon, j'ai plus rentable dans le temps. Mais du coup, l'argent que j'ai mis pour faire mes réserves me sert pour, par exemple, si le mois prochain, j'ai un petit peu du mal financièrement, je peux un peu taper dans mes réserves. Du coup, et faire des courses pour pouvoir économiser un peu. Tout bêtement, voilà. Sur ce, moi je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao. Préparez-vous bien.